sur l'île intense, sous le ciel réunionnais, Pierre Josson s'élance, prêt à tout donner. 175 kilomètres, 3 jours à se surpasser. Avec un mental d'acier, il ne peut qu'avancer. Sa femme Léa, son pilier, son soutien, veille sur les enfants et sur chaque chemin. De Silao à Savannah, toujours là pour l'aider. Avec amour et courage, elle l'aide à briller. Oh, la diagonale des fous, défiant du commun. Pierre avance sans faille, porté par son destin. Avec Léa à ses côtés, un soutien sans pareil. Dans la course de la vie, il touche le soleil. Des pieds meurtris, des ampoules à soigner. Mais Pierre refuse de cesser de rêver. Malgré la fatigue, il tend la main à Paul. Épuisé par la gastro, frappé de plein fouet. Pierre inlassable l'aide à repartir à zéro. L'amitié plus forte que les coups du sort et les mots. Chaque message de Léa est un souffle de chaleur. Plus que 3 kilomètres, gardons l'espoir dans nos cœurs. Famille et amis, tous unis dans l'effort, pour soutenir un homme qui va toujours plus fort. Oh, la diagonale des fous, défiant du commun. Pierre avance sans faillir, porté par son destin. Avec Léa, le soleil. Léa, reine de la logistique, héroïne discrète. Chaque geste, chaque mot, elle illumine sa quête. Je suis sur la route, je ravitaille avec amour. Elle est sa force cachée pour affronter chaque jour. Oh, la diagonale des fous, des filles hors du commun. Pierre avance sans faillir, porté par son destin. Avec Léa, le soleil. 175 kilomètres, une histoire gravée. Un homme, une femme, une famille soudée. Bravo à Pierre et Léa, un duo exemplaire. Dans la diagonale des fous, ils ont touché la lumière.